J'aimerais vous donner quelques repères en commençant par me présenter. Je m'appelle Isabelle Desplats, c'est écrit. J'exerce une activité de formatrice et consultante auprès des organisations, qu'elles soient ONG, associations, entreprises, en matière de qualité relationnelle et d'intelligence collective. Notre intention est de former des leaders qui soient capables de tenir une nouvelle posture pour accompagner cette transition de société dans laquelle nous sommes et qui vont être capables de mettre le facteur humain au cœur de cette transition. Un deuxième volet, peut-être pour me présenter, c'est que depuis 2006, je suis cofondatrice et vice-présidente du mouvement Colibri avec Pierre Rabhi, mouvement qui me tient très à cœur dans la mesure où il contribue à inviter chacun à reprendre son pouvoir dans la création d'une société autre. Et j'ai une pensée pour eux maintenant parce que durant ce week-end, j'étais un petit peu partagée entre être ici et puis être à la ferme du Buisson où se lance la campagne Tous candidats pour une République des consciences, où vous pourrez d'ailleurs peut-être aller demain ou si le cœur vous en dit. Et puis le troisième volet, peut-être pour me présenter, c'est que je suis une partie de mon temps à Montpellier en train de co-créer un éco-domaine avec mon compagnon qui a choisi le maraîchage biologique et nous sommes en train de démarrer une AMAP. Voilà trois volets. Alors, situer un petit peu le contexte, les enjeux, le thème de ce jour, de ce propos, est intitulé Le facteur humain dans le changement de société, ou comment nos organisations humaines peuvent-elles développer leur intelligence sociale et émotionnelle pour gagner en humanité? Le thème de cet après-midi était sous le signe de passer à l'action. Et passer à l'action, pour que ce soit puissant, eh bien, nous pouvons remarquer que c'est souvent plus puissant à plusieurs et de s'engager ensemble. Et c'est là que ça commence à se compliquer. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Même si, bien sûr, l'action individuelle est fondamentale, nous sommes conduits à travailler ensemble. Et j'observe, et j'imagine que je ne suis pas seule à observer combien nos organisations, en général, quelle que soit leur forme juridique, hein, sociale, politique, professionnelle, manifestent souvent des comportements archaïques qui tombent dans les luttes de pouvoir, de territoire, de prédation, de compétition. Et que ces comportements-là ont des coûts. Un coût aussi bien pour l'individu qui va se retrouver ballotté, un petit peu malmené peut-être, et combien de burn-out, de démobilisation, sans aller jusqu'au suicide, manifestent un mal-être dans le travail. Il y a aussi un coût pour la société elle-même parce que des organisations qui travaillent dans ce mode archaïque ont aussi une attitude prédatrice et nous emmènent à l'exploitation abusive des ressources, à ne pas se soucier trop de la création des inégalités, du partage des richesses. Donc finalement, le coût est multiple. L'enjeu nous paraît d'autant plus important que vivre ensemble, quand ça fonctionne, ça peut apporter un vrai bénéfice. Mais pour autant, il semblerait que vivre ensemble, œuvrer ensemble, travailler ensemble soit un véritable défi. Je rencontre beaucoup de gens qui ont à cœur le changement de la société et qui vivent des expériences souvent malheureuses du travail ensemble ou de la coopération qui peuvent les conduire au découragement. Je ne sais pas si vous faites partie de cela. Oui, il y en a quelques-uns. Et pour autant, il me semble que c'est le défi. D'ailleurs, chez Colibri, nous avons choisi comme slogan « Coopérer pour changer ». Comme si la condition du changement aujourd'hui passait par cette capacité à coopérer. Et vice-versa, se mettre à coopérer, c'est se donner une occasion supplémentaire de changer soi-même. Nous voyons apparaître ici cette articulation entre l'individuel et le collectif.
J'aimerais faire écho à cette phrase de Pierre Rabhi qui a beaucoup mobilisé mon engagement à ses côtés, lorsqu'il dit qu'il n'y aura pas de changement de société sans changement humain. Alors, quelles voies sont possibles pour passer finalement du pouvoir sûr, d'un pouvoir de domination, qui est corrélé avec ses comportements archaïques et prédateurs, au pouvoir avec l'autre? Qui peut ce pouvoir donc se décliner finalement en trois volets. Le pouvoir déjà avec soi-même, savoir coopérer et se connaître soi. Prendre sa responsabilité, devenir acteur des changements qui nous importent plutôt que de les subir. Et quitter une attitude de victime impuissante qui peut pourtant à des moments nous tenter face à l'ampleur des difficultés. Donc c'est le premier enjeu, c'est reprendre notre pouvoir personnel. Le deuxième volet, ça va être comment reprendre notre pouvoir avec les autres, développer des capacités à coopérer et sur quelle base pourrions-nous le faire? Et le troisième, c'est le pouvoir avec la nature, avec l'environnement. Dans la mesure où pour le moment, nous nous comportons aussi en dominateur avec la nature, il n'y a qu'à regarder les techniques de maraîchage qui sont couramment utilisées ou d'agriculture, pour voir comment la terre est exploitée au lieu d'être traitée en égal et au lieu de coopérer avec elle, lui permettant de déployer aussi toute sa vitalité. Alors, ces enjeux étant posés, mon intention ici, c'est de partager d'abord un petit peu mon parcours qui a fait naître des questionnements et surtout qui m'a donné l'occasion de faire des découvertes, parce que je crois que quand on a des questions qui sont chevillées au cœur et au corps, elles ne peuvent pas rester sans réponse, et c'est ce qui m'est arrivé. Donc j'ai un certain nombre de réponses qui me sont arrivées, que j'aime partager avec d'autres de manière très humble, hein, dans une visée d'échange. Et puis j'aimerais que ça puisse déboucher sur des pistes concrètes que nous avons formalisées dans quelque chose que nous appelons la gouvernance écologique et intégrale. Voilà, avec un certain nombre de collègues et amis, nous avons à cœur de voir comment et selon quelles modalités des groupes peuvent se mettre en place aujourd'hui sur des bases nouvelles, qui soient écologiques au sens où elles sont respectueuses de l'équilibre d'elles-mêmes en tant que système, et respectueuses de leur environnement, et intégrales dans la mesure où elles articulent l'individuel et le collectif, l'intériorité et le passage à l'action, et tous les plans de l'être. Et pas seulement, comme nous allons le voir, puisque ça fait partie de peut-être des affres de mon parcours, de découvrir que nous étions et nous vivions comme des êtres tronqués d'une partie de nous-mêmes. Donc cette intégralité parle d'une forme d'intégrité à retrouver. Et puis nous prendrons le temps de quelques échanges, questions-réponses et Huguette me fera signe, mais je ne sais pas où elle est. Donc voilà. Je ne sais pas, je veux bien qu'elle se manifeste parce que sinon je vais avoir du mal à la voir. Ah d'accord. Alors quelques éléments de parcours. Bon, j'ai commencé par faire des études, ça peut arriver, et je me rends compte que ce qui m'a motivée dans mes études, c'était la question suivante: qu'est-ce qui va permettre à des personnes de travailler en harmonie ensemble? Et j'ai choisi de faire une école de commerce. Peut-être, vous pourriez me dire, ce n'est pas la bonne réponse. C'est clair. Pour autant, je voyais l'école de commerce comme l'endroit où on peut apprendre à travailler ensemble, à bâtir des projets qui vont construire quelque chose de concret, qui vont mettre des produits et des services dans la société. Et je vous avoue mon désarroi d'avoir pendant 3 ans attendu et espéré que quelqu'un nous pose une autre question que la question: quelle bonne idée pourrions-nous trouver pour faire de l'argent? Je ne plaisante pas. Et j'étais comme assoiffée de savoir s'il y avait un de ces professeurs, un intervenant, qui pourrait nous poser la question: quelle bonne idée pourrions-nous trouver pour que notre entreprise ait une contribution sociale utile? Vous voyez, c'était plutôt ça que j'étais en train de chercher. Bon, je me suis dirigée vers la gestion des ressources humaines en me disant que là, le facteur humain allait être plus présent. Le mot ressources humaines parle tout seul, hein, c'est que le risque dans cette approche-là, c'est que l'être humain soit vu comme un moyen au lieu d'être vu comme une finalité en lui-même. Et puis,
J'ai commencé par une première expérience professionnelle que je vais qualifier d'heureuse, parce que j'ai vécu dans une entreprise comme il en a existé, je pense qu'il en existe encore, qui ont une âme, qui rendent un service avéré à des clients. Bon, en l'occurrence, c'était du traitement informatique de données comptables pour toute la profession des experts comptables, avec une vraie culture, des valeurs, une identité. Et puis un management fondé sur l'autonomie, la confiance, la créativité. Et j'ai eu quelques années avec beaucoup de plaisir, jusqu'à ce que nous vivions un premier achat, puis un second, puis un troisième, puis un dernier par une banque. Donc cette logique d'acquisition, de fusion, nous a rapidement, a conduit au délitement de l'identité et des valeurs de cette entreprise qui avait une vraie philosophie. Et finalement à la perte de beaucoup de choses qui avaient du sens pour moi. Étant donné qu'à ce moment-là, je n'avais pas beaucoup de connexion avec moi-même, je me suis laissée leurrer par ce qui m'était annoncé comme des promotions. Et j'ai continué jusqu'à devenir directrice d'agence dans cette entreprise, jusqu'à tenter, en m'adaptant le mieux possible pour faire face à tous ces changements, et jusqu'à faire un burn-out, que j'ai vécu comme une plaie. Je ne sais pas si certains ont déjà vécu un burn-out. Ce n'est pas une dépression. Oui, je vois des oui. Ça donne un petit peu l'impression que tout a l'air d'aller, les autres ne le voient pas. Mais intérieurement, c'est grillé. Je n'avais plus de ressort. Et ça prend quelques années à se redresser. Alors aujourd'hui, je vois que c'était un cadeau. Parce que sans ce burn-out, peut-être je serais devenue ce que Marshall Rosenberg appelle une gentille personne morte. C'est-à-dire qui continue de fonctionner ou dysfonctionner à côté de ses pompes. Donc, cet événement m'a permis de vraiment refaire le point sur mes choix et finalement de rejoindre successivement un certain nombre de projets, d'équipes qui étaient plutôt ONG, associations, en me disant là, je vais trouver des valeurs fortes et ça va aller mieux. Je vois qu'il y en a qui devinent. Alors que oui, ça a été mieux dans un premier temps, organisation à taille humaine, avec une finalité qui donne du sens à l'action. Et puis, assez rapidement, j'ai été confrontée à des phénomènes de pouvoir, de soumission des personnes à des personnes qui étaient gouroutisées parce qu'elles avaient vraiment compris la cause, une démission du pouvoir personnel et finalement quelque chose qui, au plan humain, dysfonctionnait. Donc, l'écueil de du manque de sens était réglé, mais celui de comment travailler ensemble dans le respect de chacun, et dans l'équivalence, hein, c'est un mot qui a commencé à m'arriver à ce moment-là, n'était pas encore réglé. D'où l'actualisation encore plus forte de cette question, comment articuler le « je » et le « nous » de manière constructive et comment créer des collectifs au sein desquels chacun peut vivre son intégrité, exprimer pleinement ses talents, au bénéfice de tous et d'un bien commun partagé. Quelques temps après, j'ai fait la rencontre ou la découverte de la communication non violente. J'aimerais savoir s'il y en a qui connaissent la communication non violente. Voilà, quelques mains se lèvent. Quelqu'un? Ok. Est-ce que certains n'ont jamais entendu parler de la communication non violente? Quelques-uns? D'accord, merci. Voilà, ça a été une rencontre qui reste fondatrice. Pour moi, dans la mesure où, à travers un processus très simple, j'ai trouvé ce que je cherchais à ce moment-là depuis longtemps, c'est-à-dire une approche concrète pour me relier à moi-même, à ce qui était essentiel en moi, me relier aux autres de manière qualitative, constructive, et me relier aussi à mon environnement et au collectif auquel je participais. Et ça a été une double découverte, je vous en dirai un petit peu plus sur le plan fonctionnement tout à l'heure, parce que j'ai compris à ce moment-là combien finalement nous fonctionnions dans une culture bidimensionnelle. Penser, agir. Ce qu'il y a entre la tête et les jambes n'existait pas. Et je devrais même dire plutôt penser, faire, parce que le mot agir a cette noblesse d'intégrer une dimension de l'être, hein, mais penser faire. D'où cette impression de passer à côté d'une dimension essentielle. La CNV m'a fait découvrir
que j'étais faite et que nous sommes pas mal d'êtres humains visiblement à être faits pour une troisième dimension que nous pourrions appeler se relier, qui a plus à voir avec l'être, se relier à soi-même, se relier avec les autres, se relier avec ce qui nous entoure, et qui est une dimension qui est au-delà du mental ou de la pensée, et qui est aussi distincte de l'action, même si elle en est fondatrice. Et qu'une action qui est fondée sur cette qualité de reliance va être toute différente d'une action qui n'est fondée que sur la pensée résonante. Alors j'ai envie de vous raconter une petite histoire qui parle un petit peu de cette découverte que certains peuvent faire lorsqu'ils font face à une dimension nouvelle. C'est une histoire qui est racontée par Marie Michiro, qui vient de sortir un livre qui s'appelle « The Empathy Factor », que je vous conseille, je viens de l'apporter parce qu'il est sorti il y a 15 jours. Pour le moment, pas traduit en français, mais ça viendra peut-être. Et qui montre comment ce facteur empathique est finalement le facteur manquant dans nos organisations. Elle raconte cette nouvelle courte d'un Anglais qui s'appelle Edwin Abbott, qui a écrit en 1884, et qui s'appelle Flatland. Alors Flatland, on pourrait le traduire par le plat pays, enfin bon, les Belges ne vont peut-être pas être très contents. Donc le pays plan, voilà, moi je l'appellerais le pays plan. En tout cas, c'est un pays dans lequel les habitants ne connaissent que deux dimensions, la longueur et la largeur. Et puis le personnage principal est un square qui est marié avec une rue, et ensemble ils ont deux enfants, qui sont tous deux des losanges. Et puis une nuit, ils reçoivent la visite d'une sphère, une balle tridimensionnelle. Or, dans le plan pays, les objets qui ont une dimension différente de la longueur et de la largeur ne sont pas perçus. Et cette sphère a bien du mal à se faire voir, comprendre, et elle essaye d'expliquer qu'elle vient d'un pays qui s'appelle Spaceland, le pays de l'espace, où il y a une troisième dimension qui donne de la hauteur, de la profondeur, qui permet d'aller au-dessus, au-dessous. Et le square lui répond, mais nous aussi on a ça, on peut aller au nord, on peut aller au sud. Discussion de sourds. Voyez la difficulté à des moments de faire percevoir une dimension à quelqu'un qui vit hors de cette dimension-là. Alors, la sphère se résout à emmener le square dans son pays, en espérant lui faire une expérience concrète de cette dimension. Et les voilà partis, et finalement, le square, en arrivant dans le Spaceland, est encore plus désorienté. Il en est tellement désorienté qu'il finit par avoir peur, par prendre panique, par devenir agressif, et puis progressivement à se détendre et soudainement percevoir des choses qu'il ne percevait pas. Il s'ouvre à la possibilité que quelque chose qu'il ignorait soit possible, et puis progressivement, eh bien, il savoure cette troisième dimension de profondeur, de hauteur, il commence à la voir. Et très excité par cette découverte, revient chez lui et essaie d'expliquer à Madame Larue, les enfants, les amis, qu'il a découvert une troisième dimension. Et là, amère déception, eh bien personne ne le comprend. Et tout le monde lui répond oui, on a le nord, on a le sud. Bon. Toujours est-il qu'il persévère et qu'il finit par réussir à réveiller un peuple de rebelles qui refusent de rester confinés dans des dimensions limitées. Alors je vous raconte cette petite histoire parce qu'elle m'a donné beaucoup de compréhension pour ce que je vivais. D'avoir l'impression de vivre pendant des années en étant amputée d'une partie et d'une dimension essentielle de moi dans tous les collectifs que j'ai pu traverser, qu'ils soient professionnels au sens privé, ONG, associatifs, parfois même amicaux, si on peut appeler ça de l'amitié, hein, quand nous ne faisons que penser ensemble. Ou agir, mais sans qu'il y ait un échange d'une autre teneur. La deuxième chose que ça m'a permis, c'est que ça m'a donné beaucoup de joie à l'idée de me dire que peut-être je n'étais pas le seul cygne perdu dans un groupe une tribu de canards, voyez, et que cette troisième dimension que je percevais, en observant ma nature humaine, elle était peut-être partagée par d'autres. Je ne sais pas si ça vous parle. J'en vois qui opinent du bonnet.
Et la troisième chose, c'est que, eh bien, d'abord, je me suis engagée vraiment dans l'exploration de cette troisième dimension, fortement pour moi-même, parce qu'elle me donnait beaucoup de qualité de vie. Et puis, la partager, c'est la faire découvrir. Et donc, j'emmène dans Spaceland un certain nombre de gens qui ont envie de faire le voyage. Et ça me donne beaucoup de compréhension aussi pour les personnes qui ont bien du mal au début et qui, comme la semaine dernière, avec un groupe de managers, comme ils me disent, nous sommes des techos, il ne faut pas nous demander de parler avec nos émotions. Et qui étaient assez dubitatifs et sceptiques, et au bout de 3 jours, nous disent, enfin me disent, mais on ne nous avait jamais dit ça. Comment est-ce possible que nous ayons vécu toutes ces années en ignorant ce dont vous nous avez parlé pendant 3 jours? Et ce n'était pas que parler, c'était expérimenter, bien sûr. Alors ça, évidemment, c'est la récompense. Je suis heureuse de voir que ça se passe quasiment toujours. Et je reviendrai sur les raisons de cela. C'est qu'il y a un certain nombre de conditions qui nous permettent de révéler cette troisième dimension. Et que ces conditions, eh bien, j'en vois déjà une, c'est savoir créer un contexte de confiance. Parce que sans confiance, nous sommes prisonniers dans des réactions de peur qui nous coupent de nos émotions et qui nous font fonctionner juste au niveau cérébral et passer à l'action. Et nous sommes en mode survie. Alors de fait, la majorité des organisations fonctionnent à mes yeux de manière bidimensionnelle, penser, faire. Certaines organisations sont même unidimensionnelles. Ne pensez pas, faites juste ce qu'on vous dit. Plus rarement, heureusement. Et quand j'entends Marshall Rosenberg, le fondateur de la communication non violente, parler d'une société de domination, eh bien je comprends mieux que... Si chacun de nous fonctionne en mode penser-faire, donc en mode bidimensionnel, alors il y a un certain nombre de choses qui risquent de ne jamais se produire. Et il n'y a que dans une société bidimensionnelle que nous pouvons trouver des personnes qui restent soumises, qui acceptent un état de fait qui ne leur convient pas, qui cherchent des solutions avec leur tête, qui ne les trouvent pas, parce que la clé est ailleurs. Et que cette clé, elle va être dans ce pivot que la communication non violente m'a aidé à découvrir, des besoins. C'est-à-dire une troisième dimension qui se passe entre la tête et les jambes, au niveau du cœur d'abord, les émotions qui sont là pour nous signifier quelque chose d'important, c'est que nous avons des besoins. Alors il y avait bien Abraham Maslow qui nous avait parlé des besoins, mais enfin, à part l'étudier à l'école de temps en temps, moi je ne vois pas encore beaucoup d'entreprises qui fonctionnent à partir de là. Je suis heureuse de voir qu'un certain nombre de nouveaux indicateurs de valeur commencent à voir le jour, et pas seulement hein, le PNB, et notamment mon ami Patrick Vivray avec le collectif Richesse, qui s'intéresse à savoir qu'est-ce que nous pourrions appeler des richesses, des valeurs, si ce n'est le degré de satisfaction des besoins humains fondamentaux. Et que dans un certain nombre de pays d'Afrique, si vous récoltez enfin, toutes les économies de chacun, comme le raconte souvent Pierre, Rabhi, eh bien vous avez peut-être 100 euros. Et vous avez pourtant un certain nombre de besoins essentiels comme la chaleur humaine, la convivialité, le sens, l'authenticité, la créativité, l'autonomie qui sont satisfaits. Et ce n'est pas par le moyen monétaire, ce qui va nous ramener à l'intervention de Philippe tout à l'heure, Philippe Deruder, nous montrant hein, combien il peut y avoir une décorrélation finalement entre un système financier qui sert normalement l'échange et puis des systèmes heureusement monétaires nouveaux qui apparaissent et qui sont directement en lien avec la satisfaction de nos besoins, de manière à revaloriser et remonétariser ce qui nous permet de satisfaire vraiment nos besoins. Alors donc, cette communication non violente qu'on appelle CNV, je la vois, et c'est aussi comme ça que Marshall Rosenberg la propose, comme un outil de conscience et de reprise de sa souveraineté. Parce que quand vous êtes en lien avec vos besoins, eh bien on ne peut plus vous en raconter. C'est plus difficile de manipuler quelqu'un par des raisonnements, des logiques, que, enfin, s'il n'est pas connecté à ses besoins que s'il l'est. Parce que ses besoins sont en nous une force de vie qui cherche à s'accomplir. C'est finalement ce qui est vivant en nous. Il n'y a rien de plus puissant que d'être en lien avec ses besoins. Je prendrai quelques exemples tout à l'heure. Et quand nous seulement nous sommes conscients de nos besoins, nous réveillons cette force intérieure, mais nous pouvons aussi construire avec les autres sur une autre base,
qui va être eh bien, ces valeurs partagées, parce que les valeurs, ce n'est rien d'autre que des besoins auxquels nous donnons beaucoup de valeur. L'équité, le partage, le respect, l'autonomie, la créativité. Alors, il y a eu des chartes de valeurs dans les entreprises, mais bien souvent, c'est resté affiché dans les toilettes ou à la machine à café, sans que ce soit vraiment traduit dans une façon de prendre des décisions et de faire des choix qui soient appuyés sur l'écoute des besoins individuels et, nous verrons aussi, des besoins de l'organisation comme organisme vivant. Alors, pourquoi ces organisations sont bidimensionnelles ? Ben, je dirais que parce que pour passer à cette troisième dimension, ça demande deux qualités qui sont très dévaluées dans la société. La première qualité, c'est la capacité à accueillir ses émotions, sans aucun jugement. Donc tais-toi, t'as pas le droit d'être en colère, sois gentil avec la dame. Enfin, voyez comment nous avons appris volontiers à être d'accord et à nous suradapter à l'extérieur, au lieu de nous relier à nous, grâce à l'écoute de nos émotions, qui sont des signaux merveilleux de nos deux degrés de satisfaction des besoins ou pas. Petit enfant, nous le savons, nous ne l'avons pas perdu. Puis progressivement, la culture arrive avec la socialisation, et je n'ai rien contre la socialisation. Je voudrais juste voir à un moment qu'il y a un processus qui se produit, qui vient nous couper de notre nature, qui est finalement reliée à nos besoins, qui est une nature profondément empathique et bienveillante, parce qu'elle désire aussi que les autres soient satisfaits, et qu'il n'y a aucun, à mes yeux, et après toutes ces études et ces années, il n'y a aucun doute à se faire sur le fait que, et je vais citer là-dessus d'ailleurs Carl Rogers, que j'aime beaucoup, sur l'essence humaine et la bienveillance fondamentale qui nous habite. Il dit « Tout être humain est digne de confiance et constructif lorsqu'il fonctionne librement. » Donc ce présupposé de nous contrôler, de nous méfier de nos émotions, va induire une forme de doute et de reproche. Hein. Je vois une culture de reproche qui s'installe par l'éducation, puis par la société, et qui va contribuer à cette rupture de soi à soi. Ça, c'était pour la première capacité. Et puis la deuxième capacité, ou la deuxième qualité, c'est la capacité donc, à relier ses sentiments avec ses besoins humains. Moi, je vois beaucoup de gens qui disent « Ah non, moi, les émotions, non merci. » Ou alors « Oui, les émotions, oui. » Puis alors, on est dans l'émotion. Mais pourquoi faire ? Vous voyez, l'émotion, tant qu'on n'a pas compris qu'une émotion est un message de notre système vital pour nous dire si nous sommes épanouis en ce moment sur le plan de tel ou tel besoin ou pas, c'est-à-dire qu'elles sont, lorsqu'elles sont agréables, le signe qu'un besoin important est satisfait, ou quand elles sont désagréables, le signe qu'un besoin important n'est pas satisfait. Et je vois beaucoup de personnes qui s'occupent mieux de leur voiture que d'elles-mêmes. C'est-à-dire que nous avons le tableau de bord de la voiture où il y a des voyants avec le niveau d'eau, la température, le liquide de refroidissement, l'essence, etc. C'est le tableau de bord de la voiture qui dit si des fonctions importantes sont remplies dans le véhicule. Et bien, nous avons ce même tableau de bord à l'intérieur de nous. Ce sont nos émotions, nos ressentis, nos sentiments. Qui nous parle de ces fonctions vitales à l'intérieur de nous ? Est-ce que nous sommes capables de les entendre, de les décrypter comme nous le faisons pour notre voiture, que d'aller au garage quand ça ne va pas, c'est-à-dire de prendre un petit moment de recul pour revenir faire des choix à partir de ça. Donc, les besoins sont une sacrée boussole. Cette reliance, cette troisième dimension que j'appelle « se relier », et nous voyons que c'est donc une affaire de connexion, elle se vit à trois niveaux. Et de fait, cette capacité empathique que nous avons à la naissance, et dont je suis heureuse de voir que les neurosciences nous montrent de plus en plus qu'en fait, elle est une donnée fondamentale, biologique, et que nous avons même des neurones miroirs qui nous permettent de nous relier de manière empathique les uns aux autres, et en commençant par soi-même, nous appelons ça l'auto-empathie. Eh bien, cette connexion donc, se vit à trois niveaux au quotidien, dans nos activités ou dans notre vie. La connexion à notre propre état intérieur, que je vais appeler la conscience de soi. La connexion aux autres, notre capacité à ressentir ce que ressent un autre être humain, à se mettre à sa place, à se mettre à son diapason. Même des chiens y arrivent. C'est dire tout l'espoir que nous avons, nous, en tant qu'être humain, hein.
Vous avez déjà vu comment un chien peut pleurer parce que son maître est triste. Bon, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Et puis la troisième connexion, c'est la connexion avec eh bien, les systèmes auxquels nous appartenons, c'est-à-dire les équipes, les organisations, le village, la communauté de citoyens, et puis plus vastement, la toile de la vie elle-même. Et ce n'est pas le thème de cette intervention, mais j'aimerais ici souligner les travaux qui sont faits aujourd'hui pour nous montrer que si nous nous relions aussi de manière empathique à ce que vit la nature aujourd'hui, nous sommes capables de sentir que nous faisons partie de la toile de la vie. Et que si des êtres humains ou des portions de la nature souffrent aujourd'hui, nous souffrons aussi parce que nous faisons partie du tout. Et que ces émotions, loin d'être un handicap, elles sont naturelles et saines et elles sont notre chance d'entendre ce qui se produit et d'entrer dans des processus de guérison ensemble. Donc vous voyez bien que cette rupture, cette coupure de nos émotions, elle a des enchaînements à plusieurs niveaux. Récupérer nos émotions, c'est se redonner ensemble la capacité de poser des actes qui vont nous permettre de recréer un monde harmonieux. Je ne peux pas durablement poser des actes qui nuisent à mon voisin sans en souffrir. Si j'écoute mes émotions, c'est absolument impossible. Alors voyons comment notre éducation qui nous invite à nous couper de nos émotions est dangereuse, parce qu'elle nous coupe aussi des autres et du tout auquel nous appartenons. Alors concrètement, si je dois donner quelques pistes maintenant, et j'aimerais ça, j'aimerais à la fois donner des pistes concrètes et puis indiquer quelques outils, compétences, qualités ou aptitudes qui vont nous aider à développer cette troisième dimension pour créer un monde autre, déjà pour nous, et puis aussi pour les organisations au sein desquelles nous agissons. Elles sont le reflet de ces trois dimensions que nous avons mentionnées tout à l'heure, en tout cas de ces trois niveaux de connexion. Savoir s'écouter soi-même, développer sa conscience de soi. Un être conscient de lui-même commence à être libre. Savoir écouter autrui, développer notre empathie, nous mettre à l'écoute de ce que vit un voisin, un proche, un collègue. Détecter les bonnes raisons que quelqu'un a de faire quelque chose, même si à un moment son comportement nous paraît absolument incompréhensible ou inacceptable. Il y a toujours derrière, caché, une bonne intention, un besoin à satisfaire. Et le troisième, ce sera développer la conscience du nous ou des différents nous auxquels nous appartenons. Donc nos différentes communautés humaines de vie, de travail, et plus largement, la planète. Alors j'aimerais vous proposer un petit exercice. Est-ce que ça vous dit? Ça prend quelques minutes. Il y en a quelques-uns qui me disent oui, alors je fais confiance que pour les autres, vous embarquerez si ça vous dit. J'aimerais vous proposer de vous poser pour vous-même la question et d'écouter la réponse, comme dit souvent mon collègue Thomas d'Ansbourg, comment ça va? Est-ce que vous écoutez la réponse de l'autre? Rarement, mais déjà de vous. Alors, ce n'est pas cette question que j'ai envie de vous poser, comment ça va, même si je vous invite à vous la poser aussi le matin en vous levant. Comment je vais? Tiens, comment je me sens? Et comment mon système intérieur me parle de mon état de vie et de vitalité? La question que j'aimerais vous poser maintenant, c'est... qu'est-ce que vous aimez vivre dans les groupes, les équipes, les collectifs que vous rejoignez? À quoi vous aspirez prioritairement si vous faites la démarche, pour des raisons professionnelles, j'allais dire presque parfois obligatoires, ou bien pour des raisons volontaires, de rejoindre un collectif? À quoi vous aspirez prioritairement? Et je vais proposer une minute de silence pour que chacun puisse entendre la réponse à l'intérieur, et voir les mots, peut-être les noter. Si vous avez un petit bout de papier, notez ces quelques mots qui disent ce qui vous est précieux et ce à quoi vous aspirez. Merci.
Ah, je vois qu'il y en a qui continueraient bien l'échange, hein. C'est agréable. J'aimerais vous poser. D'abord, vous pouvez peut-être remercier votre voisin qui s'est prêté à ça, à cet échange. Hein? Voilà, vous remerciez mutuellement. Et puis, j'aimerais savoir comment vous vous sentez d'avoir pu vous exprimer sans être interrompu pendant une minute. Et d'avoir écouté un autre être humain que vous ne connaissiez peut-être pas il y a quelques minutes, vous faire part de ce qui lui importe. Si vous vous connectez au niveau de vos ressentis, de vos sensations, sentiments, comment vous vous sentez? Est-ce que quelques-uns voudraient me donner un mot pour dire comment ils se sentent? Ému. Ému. Satisfait. De la joie. Serein. Serein. C'est un rêve. C'est ça. C'est un rêve au sens où c'est une utopie. Nous sommes dans une journée sur le thème de l'idéal. Hein. Tellement c'est peu fréquent, voire tabou, de s'adresser à un autre être humain comme ça, tout de suite, cœur à cœur. Bon, quels besoins sont nourris? Puisque nos sentiments sont plutôt agréables, de l'ordre de la joie, de l'émotion et de la sérénité, quels besoins sont satisfaits? L'appartenance? L'écoute? La connexion, la relation, la découverte, l'enrichissement, la contribution, la reconnaissance. Je vais avoir du mal à croire qu'on n'ait pas fait de la communication non violente. Hein. Vous savez pourquoi? Parce que finalement, c'est tout simplement ce que notre nature nous raconte quand nous lui posons les bonnes questions. Et pas seulement « qu'est-ce que tu en penses ?» Mais « qu'est-ce que tu vis ?» Alors. Bon, je suis curieuse d'entendre aussi un petit peu quels sont les besoins que vous aimeriez satisfaire en rejoignant un collectif. C'est-à-dire, quels sont ces mots que vous avez mis en commun? Est-ce que vous voudriez le dire? Alors, apport mutuel, je vais me lever en espérant. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Hein, pour écrire ces mots-là. Donc, de l'apport mutuel. À quoi vous aspirez d'autre quand vous rejoignez une équipe, une organisation? Un par un? Des relations? De l'harmonie? De l'unité? De l'utilité? Ça sert à quelque chose? De la complémentarité? Alors, retenez vos mots parce que je ne peux pas forcément tous retenir. Diversité. Soulagement. Il y a un autre mot que je n'ai pas noté. La confiance. Alors, le soulagement, je pourrais l'écrire aussi. En même temps, je l'accueille comme un sentiment hein, qui nous montre que ça, c'est satisfait. Voilà, ça fait partie de ces messages qui nous disent, voilà, si je suis soulagée, apaisée, ah ben c'est probablement qu'il y a un certain nombre d'ingrédients là et donc de besoins qui sont satisfaits. D'autres besoins importants pour vous? La réalisation. La réalisation. Ok. Aide. L'appartenance. L'appartenance. Le dépassement. Je vais ajouter l'authenticité, très importante pour moi. Pardon? Authenticité, il y en a d'autres aussi qui sont sensibles à ça. Bon. Qu'est-ce que ça vous fait là? Est-ce qu'il y a des besoins ici que vous n'auriez pas, vous? Il y en a peut-être quelques-uns qui sont plus importants que d'autres. Qu'est-ce que ça vous fait de voir que finalement, quand nous nous posons la question, visiblement nous aspirons à ces choses importantes et que nous avons tant de besoins en commun?
Qu'est-ce que ça vous fait? Quelqu'un voudrait dire un mot, deux mots? C'est universel. C'est universel. Il y a aussi une frustration universelle. Ah, il y a une frustration universelle quand ses besoins ne sont pas satisfaits, effectivement. Nous pouvons être solidaires là-dedans. Mais ça vous fait quoi de voir que finalement nous partageons ça? Ça paraît simple. Ça paraît simple, nous sommes tous reliés. Alors pourquoi? Tout simplement, eh bien, parce que effectivement les besoins humains sont universels. Nous sommes ici devant une portion, parce qu'il y en a bien d'autres. Moi je peux vous dire, quand je me pose la question, ben, j'ai noté la convivialité, la joie, réalisation concrète, ça a été dit, l'équité, la co-création, le sens, la légèreté aussi. Bon. Eh bien, nous sommes là devant le patrimoine mondial de l'humanité. Ce à quoi nous aspirons tous, ce qui nous est le plus précieux. Et qui sont ces moteurs de l'épanouissement. Quand nous vivons ça, et un certain nombre d'autres, qui ne sont pas écrits ici, mais qui sont des réalités, nous sommes épanouis. Nous ne cherchons rien d'autre que ça. Alors ça vibre forcément en nous, et ça se manifeste à travers des émotions agréables quand c'est satisfait, et désagréables quand ça ne l'est pas. Les conséquences et les bénéfices de se relier aux besoins. Voyez bien que d'abord, le premier bénéfice, je ne sais pas ce que ça vous fait, vous, du bien-être. Quelque chose qui se réveille en termes de vitalité, de vie, de joie. Je me sens plus vivante. Ça permet de maximiser le sens d'exister. De maximiser, enfin de nous tirer aussi de nos distractions, de prendre conscience que nous sommes vivants et qu'il y a ces forces en nous qui bougent. Ça, c'est le bénéfice de la conscience de soi. Et puis, ça va nous permettre aussi d'être plus conscients de ce qui nous nourrit. Alors, de pouvoir s'orienter vers ce qui nous nourrit, plutôt que de se laisser dire par la télévision que nous ne sommes pas heureux parce qu'il nous manque telle marque de shampoing, excusez-moi. Je veux dire que, vous voyez, quand nous sommes en lien avec ce qui nous nourrit, c'est plus facile de s'orienter, de faire des choix alignés sur nos valeurs, plutôt que de se laisser happer par l'extérieur ou manipuler par des gens qui nous font peur. Le troisième bénéfice, ça va être bien sûr de pouvoir se relier les uns aux autres à partir de cela pour co-construire ensemble, avec ce baromètre. Est-ce que nos besoins sont satisfaits, oui ou non? Et qu'est-ce que nous allons pouvoir mettre en œuvre pour agir de manière à ce que les besoins soient satisfaits? C'est-à-dire que l'action qui va en découler va être toute différente. Et un des grands bénéfices, qui demande là un peu plus de temps que je n'en ai pour pouvoir le développer, c'est que la conscience de nos besoins et s'y relier va nous permettre de passer à une action constructive et non plus réactive. C'est-à-dire que nos réactions de peur de manquer, qui sont des réactions automatiques, défensives, qui nous arrivent quand nous sommes un petit peu malmenés, stressés, nous font souvent agir en dépit de nos émotions et de nos besoins, juste en mode survie pour nous protéger et nous défendre. Et nous vivons à moitié de nous-mêmes. La conscience de nos besoins nous permet de retrouver une posture intérieure, une force pour agir de manière constructive. C'est vrai au niveau individuel et puis ça va être vrai au niveau collectif, c'est-à-dire d'une organisation. Quand nous sommes dans des attitudes de réaction, de peur ou défensive, nous sommes volontiers contre et nous luttons, le point levé. Quand nous sommes en lien avec des besoins ou des valeurs fortes, nous les offrons pour les partager. Regardez un Martin Luther King, je ne l'ai jamais entendu dire qu'il était contre les blancs, ni même contre le racisme. Il n'y a pas beaucoup d'énergie là-dedans. Il y a beaucoup plus d'énergie dans le fait d'être pour l'équité, pour la fraternité humaine. Est-ce que vous sentez la différence? Vous voyez, ce retournement que nous permet le contact avec les besoins, qui sont ces moteurs de la vie, qui vont nous permettre d'œuvrer non pas contre, mais pour et avec les autres, en prenant appui sur ces valeurs si précieuses que nous avons en partage. Et puis, bon, pour avoir été aussi beaucoup
en compassion avec ce que finalement le système capitaliste financier nous fait vivre, j'ai eu ma période militante absolument désespérée et agressive contre le méchant capitalisme. Il y en a d'autres ici ou ouais, quelques-uns. Hein. Et voilà, et jusqu'à ce que, bah, grâce à cette, voilà, cette écoute de moi et l'empathie que j'ai pu me donner sur les besoins au fond qui n'étaient pas satisfaits en termes de respect de chacun, de pouvoir s'épanouir et vivre une vie qui aussi respecte les ressources de la planète, parce que ça, c'est l'une des choses qui me fait tellement mal, c'est de voir comment nous malmenons la nature qui nous nourrit et qui nous soutient. Et j'en ai pleuré des larmes là-dessus, jusqu'à pouvoir ensuite, à nouveau, m'adresser à ses collègues de l'école de commerce, qui étaient tout heureux de créer des empires, leur dire, mais combien je souffrais et combien j'aspirais à ce que, bien sûr, leur créativité, leur envie de créer des choses extraordinaires puissent se déployer dans le respect de notre nature, des peuples. Donc, voilà un sacré pivot qui va nous permettre de passer d'une posture, enfin, de la réaction à l'action et ultimement à la création. Alors, j'aimerais, et notamment pour honorer la promesse de partager des pistes également en matière de gouvernance collective, prolonger sur qu'est-ce que ça peut donner tout ça, cette conscience des besoins, comme force fédératrice pour construire ensemble, et selon quelles modalités. Je vous ai parlé tout à l'heure de la communication non-violente, qui est peut-être la méthode la plus aboutie que je connaisse aujourd'hui pour fonctionner à partir de l'écoute empathique. Et en matière de gouvernance, il y a des nouvelles approches qui sont en train d'émerger et qui, quand elles sont appuyées sur la communication non-violente, développent encore plus toute leur puissance. Et je pense à la sociocratie et à l'holacratie, qui sont encore au stade expérimental dans un certain nombre d'organisations, mais qui visent à construire ce monde d'équité, de confiance, où chacun trouve sa place et où les équilibres des systèmes intérieurs et extérieurs sont respectés. Alors, je vais vous donner quelques indications, quelques pistes concrètes qui sont comme peut-être des jalons pour créer des collectifs d'un type nouveau. La première chose, c'est de se réunir autour d'une intention partagée. Alors, soit se réunir pour créer ensemble, soit rejoindre une organisation, un groupe déjà existant, mais en commençant par leur demander « qu'est-ce que vous faites ?» On joue aux billes, eh bien c'est clair. On passe le temps, eh bien c'est clair. Mais pas seulement ce que vous faites, pourquoi vous faites ? Cette intention partagée, on va l'appeler la raison d'être. C'est comme l'étoile. Alors, c'est l'étoile qui va nous inspirer parce qu'elle est reliée à ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on appelle les transcendentaux, le beau, le bon, le vrai. Et cette raison d'être, pour être vraiment une raison d'être inspirante, elle permet de satisfaire, bien sûr, des besoins. Elle a une finalité de construction, de contribution sociale et une entreprise qui se crée sur un projet de société, en tout cas de contribution explicite et avérée à la société, elle va être liée à beaucoup de sens. Cette raison d'être, ça va être aussi, du coup, l'identité du projet. Je vais dessiner ici comme une petite cellule originelle. Et cette raison d'être, elle en est le noyau, l'ADN. C'est le programme. Alors, on ne sait pas encore comment on va le faire, mais enfin, au moins, la direction est claire. Ce n'est pas forcément très concret. Une intention d'origine, une raison d'être, c'est quelque chose qui est jeté vers l'avant, qui est relié à des choses très fortes et qui nous permet d'avoir ensemble une direction partagée. Et c'est aussi ça qui va nous donner de l'énergie. Pour que cette énergie s'incarne concrètement, eh bien, il faut une cellule. Vous voyez bien, le noyau tout seul, il ne pourrait rien faire. Alors la cellule, eh bien, ça va être cette deuxième étape, c'est créer un cercle. Alors créer un cercle, on parle beaucoup des gouvernances aujourd'hui en cercle, qui développent l'intelligence collective en cercle. Je le symbolise ici.
par ce cercle autour, et puis bien sûr, ben, ce sont des personnes qui sont réunies autour d'un projet commun, avec un certain nombre de stratégies concrètes. De projets, de stratégies pour incarner cette raison d'être. Le cercle, au-delà de l'équipe opérationnelle, le cercle, c'est qui nous sommes ensemble et le lieu du partage du pouvoir dans l'équivalence. Si vous regardez au plan... Tiens, là, j'ai un petit problème de micro. Alors, si nous regardons cette forme circulaire, nous voyons que c'est la seule qui permette de tous se voir. Contrairement à ici, d'ailleurs, ce genre de format de salle, bon, j'apprécie beaucoup qu'elle existe, puis en même temps, je serais plus à l'aise en cercle avec vous, parce qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui sait pas, ou qui apprend, enfin bon, nous sommes co-apprenants dans un cercle. Nous nous voyons tous, et l'équivalence, elle est signifiée par ce qu'on appelle une architecture visible, ou parfois invisible. Se réunir en cercle, c'est donner à chacun une place équivalente dans le travail et dans la parole. Ce qui va nous aider à créer un cercle, c'est bien sûr donc le partage de cette raison d'être, mais ensuite aussi de créer un cadre de sécurité. Un cadre de sécurité, c'est définir ensemble nos règles de fonctionnement, les règles du jeu qui vont permettre à chacun de se sentir à l'aise. Et c'est donc une question simple à se poser, à quelles conditions je me sentirai à l'aise pour travailler ici avec vous? Et c'est des questions que je ne cesse de poser dans les équipes qui ne se les sont jamais posées. Donc elles vivent, pour une bonne part, la souffrance silencieuse. Je ne dis rien, je m'adapte. Un jour, oser se poser cette question, qu'est-ce qui nous permettrait de fonctionner mieux ensemble? Et j'étais très heureuse de découvrir les études qu'a faites Marilyn Schiltz de l'Institut de Noétique, institut qui étudie les sciences de la conscience, et qui a fait un certain nombre d'expériences avec des enfants, en créant des cadres dans lesquels les enfants manquaient ou n'étaient pas forcément en sécurité, et puis des cadres où les enfants étaient vraiment en toute sécurité. Et dès lors que les enfants se sentaient en sécurité, alors tous les comportements empathiques et prosociaux apparaissaient de même. C'est-à-dire que le but du cadre de sécurité et des règles du jeu claires, c'est de créer la confiance. Quand nous sommes en confiance, je ne sais pas vous, mais moi, je vais mieux. Et du coup, je donne le meilleur de moi-même. Je n'ai pas besoin de me défendre. Et ça va nous éviter tous ces mécanismes réactifs, archaïques. Je garde pour moi, je partage pas, je garde pour demain, on ne sait jamais, etc. Qui vont lâcher tout naturellement quand je vois qu'il y a du partage, qu'il y a de l'abondance, qu'il y a de la solidarité. Tout simplement quand la confiance est créée. Donc heureusement, il y a des outils concrets pour créer ces conditions de confiance et pour les créer de manière évolutive, parce qu'un cercle se crée avec des règles du jeu initiales et puis ensuite évolutive à chaque fois qu'elle mérite d'être ajustée et régulée. Alors ça, c'était le deuxième outil, le cadre, même si en fait le cercle en est un aussi, donc ça nous en fait trois. Et puis ensuite, c'est savoir faire des réunions régulièrement pour créer des espaces de rencontre. Je vois beaucoup d'entreprises qui ont des espaces de réunion pour la stratégie, une fois par an. La raison d'être, quand il y en a une, hein, à part faire de l'argent, moi, j'ai rarement eu une vraie raison d'être. Vous avez compris que ce n'est pas une raison d'être, faire de l'argent. Et puis des espaces de réunion opérationnels. Qui fait quoi? Mais alors, entre les deux, eh ben, c'est pareil. Il manque la troisième dimension. C'est la réunion de gouvernance. C'est la réunion où nous sommes ensemble en cercle pour nous demander comment ça va, comment nous fonctionnons. Je ne dis pas comment ça va, mes petits bobos personnels, c'est comment ça fonctionne. Est-ce que dans ton rôle, est-ce que tu arrives à jouer ton rôle là, en ce moment dans l'organisation telle qu'elle est, hein? Et nous allons écouter le vécu de chacun, et notamment les tensions, et c'est la proposition de l'holacratie, écouter les tensions comme les tensions individuelles, comme le signe d'un besoin de l'organisation. À travers le mal-être de quelqu'un, se manifeste un mal-être de l'organisation. Alors, soit je le soigne en disant « tu vas aller à l'infirmerie voir l'assistante sociale », soit je dis « ok, il y a quelque chose qui se passe, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour que toi qui remplis ce rôle pour l'organisation,
puisse mieux le faire dans des meilleures conditions. Parce que je ne serais pas étonnée que si quelqu'un d'autre se met à ta place dans les mêmes circonstances, ça fasse la même chose. Donc il y a bien des choses qui ne sont pas des problèmes personnels dans les organisations et qui sont traitées comme telles. Or, elles concernent l'organisation. Et elles sont liées à un dysfonctionnement ou une aspiration, on pourrait dire, de l'organisation en tant qu'organisme vivant à évoluer et à progresser. Donc nous allons apprendre à accueillir les tensions comme des occasions de créer des modes de fonctionnement plus vertueux et plus satisfaisants pour tous. Mais tout ça, ça s'apprend aussi. Hein, parce qu'accueillir une tension en disant merci, je n'ai pas vu beaucoup de gens capables de faire ça du premier coup. Hein. Un autre outil qui va être vraiment précieux, et je l'introduis sans le développer maintenant, mais c'est d'être capable de prendre des décisions ensemble. Ça, c'est aussi le nerf de la guerre. Un collectif se crée dans la prise de décision partagée. Bien sûr, il y a le mode autocratique, je décide tout seul, vous obéissez, puis il y a eu pas mal d'expériences de co-gestion où chacun a droit à la parole. J'ai participé à quelques années à des fonctionnements communautaires co-gérés, avec des nuits blanches pour essayer d'aboutir au consensus. J'ai vécu cette illusion du consensus parfait, c'est-à-dire du consensus qui serait le résultat de la préférence de chacun. Et je ne serais pas étonnée qu'il y en ait d'autres qui aient aussi vécu cette recherche-là, je vois. Alors heureusement, il existe aujourd'hui aussi dans la sociocratie et dans l'holocratie, entre autres, il y en a d'autres, hein, des moyens de prendre des décisions par consentement. C'est-à-dire, non pas à partir de la préférence de chacun, mais à partir de l'écoute de ce qui est acceptable, donc des limites de chacun dans son rôle. Et nous n'allons pas chercher une solution idéale, et à nouveau, je suis en lien avec le thème de cette journée, hein, qu'est-ce que l'idéal ? Et qu'est-ce qui est réaliste? Nous n'allons pas chercher la meilleure décision, mais une décision acceptable et bénéfique maintenant, qui ne sera pas coulée dans le béton, qui pourra toujours être revue, mais avec laquelle nous pouvons commencer à avancer. Donc nous entrons dans une dynamique d'entreprise, d'organisation, d'ONG, d'association, qui est agile, souple, évolutive et à l'écoute de ses membres, donc qui devient beaucoup plus souple, et qui répond à cette grande difficulté qu'ont les organisations aujourd'hui devant la vitesse des changements, d'être capable de s'adapter à la vitesse de ces changements, à la complexité croissante. Donc mettre en place des systèmes de prise de décision collective qui sont révisables. On va appeler ça le pilotage dynamique en holacratie, qui donne un certain nombre de repères concrets sur comment le vivre et rendre une organisation plus agile. Voilà, alors j'aimerais laisser un temps pour les échanges. Donc, en conclusion, dire que, à mes yeux, puis quand je dis mes yeux, c'est aussi les yeux d'un certain nombre de collègues, avec les collègues et amis avec lesquels nous avons élaboré cette approche qui s'appelle la gouvernance écologique et intégrale, et qui articule ces outils que sont la CNV, la sociocratie, l'holacratie. Nous voyons et nous croyons que les leaders de demain seront des personnes qui sauront, premièrement, se gouverner elles-mêmes à partir du meilleur de soi, c'est-à-dire à partir de ce qui les transcende aussi, comme une raison d'être personnelle peut transcender un individu, une raison d'être collectif peut transcender un collectif. Il y a en nous cette reliance à quelque chose qui nous dépasse et qui nous permet de donner le meilleur. Et nous appelons ça la gouvernance de soi, et nous avons même créé des stages pour aller à l'écoute de l'être et agir à partir de là. Deuxième qualité, être capable d'établir une qualité de relation avec ses interlocuteurs qui ne soit pas de la domination, mais vraiment dans l'équivalence, capable de comprendre avec empathie son interlocuteur et d'entendre, en cherchant ensemble, quelle solution pourrait satisfaire nos besoins en présence, sans que l'un de nous ait à en payer le coût. Sortir de ce paradigme du gagnant-perdant pour aller vers un paradigme où chacun vraiment trouve la satisfaction de ses besoins. Et c'est un talent qui se développe. Nous appelons ça la communication consciente. Et bien sûr, c'est surtout la base, à base de communication non violente. Et puis, la troisième aptitude pour ces leaders, ce sera de conduire un collectif à partir de sa raison d'être. Et en prenant appui sur le cercle et la sagesse du cercle, sur sa richesse, pour faire avancer l'organisation. Et en tenant compte aussi de son environnement, et ça, c'est un point que j'avais omis de dire tout à l'heure sur la prise de décision,
c'est que pour prendre une décision écologique, il sera important de mettre dans la décision les personnes qui seront impactées par une décision. Les parties prenantes, hein. Une entreprise qui décide de faire quelque chose, ça pourrait être utile qu'elle invite des représentants des ONG dans son cercle de décision ou de pilotage pour pouvoir dire qu'est-ce qu'en pense la nature là, à travers vous. Ça va être quoi l'impact? Développer sa conscience des impacts et faire participer à la décision les personnes ou la nature, si nous l'appelons comme une personne, qui va devoir en supporter les coûts. Voilà, c'est dans ces trois directions-là que le collectif que je représente aujourd'hui, qui s'appelle les Ateliers du Devenir Humain, a bâti des programmes pour développer ces aptitudes-là. Et alors, je ne sais pas si je vais l'écrire, mais j'ai quelques plaquettes ici à la sortie, si ça vous intéresse. En tout cas, le site, c'est ateliers au pluriel devenirhumain.org. Et en conclusion, j'ai envie de citer mon amie Christiane Singer, qui dit ceci: dans ce monde qui se dessèche, si nous ne voulons pas mourir de soif, il nous faudra devenir source. Merci.